Una vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento, jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre, llora como yo lloré y llora, llora. Maintenant, un peu plus de crème solaire sur les épaules. Qu'est-ce que tu as ? Hey, Fernanda ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Excuse-moi. Désolée, c'est juste que j'ai cru que j'avais un moustique dans le dos. J'espère que tu ne parles pas de moi. Pourquoi tu ris ? Rien, je suis juste étonnée qu'une femme aussi courageuse que toi ait été effrayée par un simple insecte. Je suis très courageuse. Mais je suis aussi allergique à certains types de moustiques. Ah oui ? Oui. Je ne savais pas. Eh bien, maintenant tu le sais. Tu me cherchais pour le travail, Octavio ? Oui, j'aimerais que tu me donnes le budget pour la nourriture des animaux et aussi pour le trimestre suivant. Mais ce n'est pas urgent non plus. Eh bien, je vais... Ah, Brenda ! Bonjour, Brenda, Octavio ! Comment vas-tu ? Tu ne sais pas à quel point je suis content de savoir que tout va bien, parce que Laetitia m'a raconté les problèmes que tu as eus avec ta mère. Oui, c'était vraiment dur, mais bon... Fernanda m'a donné la force d'affronter ça, tout comme ta femme. Elle est si gentille qu'elle m'a même adoptée comme sa fille. C'est tout ma femme, ça. Elle t'aime vraiment, tu sais. Et sans vouloir te manquer de respect, j'espère qu'un jour je prendrai la place de ton père chéri, de mon cher Alberto, que Dieu ait son âme. Enfin, je sais que ça n'arrivera jamais, mais bon, si tu voulais me considérer comme ton deuxième père, j'aimerais bien. Sache que nous autres, nous sommes ta famille. Merci. Brenda, du coup, je serai comme ta belle-sœur. Et Raphaël, comme ton frère. Octavio, tu es sûr que tu n'as besoin de rien ? Non, 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 rien. Merci beaucoup. Profite de cette journée, d'accord ? Elle est magnifique. Merci. Excusez-moi. Oui, bien sûr. À plus tard. J'allais à la piscine. Mais je pourrais venir dans ton bureau ? Oui, tu dis enfin quelque chose de sensé. Entre par la fenêtre et ne les laisse pas te voir. Allez. Merci d'être venue, Angela. Je sais que tu aimes toujours Beto et c'est pourquoi on doit parler. Pour moi, c'est une affaire réglée. Tu es sûre ? Parce que j'ai vu les photos des fiançailles de David. Je vais être claire avec toi, c'est terminé. Ah, bah, je suis contente parce qu'alors, on peut redevenir amis. Je n'ai pas dit ça. Angela, pour que tu comprennes que mes intentions sont bonnes, je veux te dire que si tu aimes Beto, alors je t'en veux pas. Ne joue pas à ça, je t'en prie, Isabella. Arrête de mentir, parce que c'est difficile pour Rigo de te quitter à cause de cet enfant que tu attends. Angela, je suis sûre que cet enfant est celui de Raphaël. Ah, s'il te plaît, j'en doute fort. Je sais très bien comment tu fonctionnes, Isa, et il y a peu de chances que cet enfant soit celui de Raphaël. Tu mens à qui tu veux, mais pas à moi. Qu'est-ce qui va pas ? Je te donne l'occasion de séduire Beto et tu m'agresses ? Non, 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 non. Ce que tu veux, c'est t'en débarrasser, parce que maintenant, il te gêne. Tu cherches à te servir de moi à nouveau, Isa, mais c'est fini, il faut que tu le comprennes. Je ne veux plus entendre parler de toi, ni de Rigo, jamais. Et oublie qu'on a été amis un jour. Calme-toi, Isa. C'est bon, hey, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tu cries sur Isabella ? Il vaut mieux qu'elle t'explique. Angela. Qu'est-ce qu'elle a ? Bah, Angela est vraiment très triste parce que elle a rompu avec Beto. Ça ne justifie pas le fait qu'elle te crie dessus comme ça, Isa.
Je sais, mais bon, il ne faut pas la juger. C'est à ça que servent les amis, à se soutenir dans les moments difficiles. Non, ne lui reproche rien, mais Raphaël. Elle ne sait pas que tu dois te reposer. Pourquoi elle fait ça? Je sais, mais ne dis rien, d'accord? La prochaine fois qu'elle refera ça, je ne serai pas aussi gentil. Oui, la pauvre. Pourquoi tu ne me dis pas quelles sont tes intentions avec Brenda? Qu'est-ce que tu veux dire? Simple curiosité. Laetitia a proposé d'être une mère pour elle. Et je vois que Brenda prend beaucoup de confiance ici à la Hacienda. Tu parles beaucoup trop. J'ai besoin qu'elle sente que nous sommes sa famille, alors fais attention. Ne t'en prends pas à elle. Viens par ici. Tu savais que Fernanda te rejetterait. Elle est mariée et aime son mari. Je sais, bon sang. Je sais, tu me l'as dit. Mais maintenant, elle ne veut plus me voir. Et c'est impossible. Je veux dire, j'ai besoin de la voir, vraiment, même de loin. Oublie ça. Et pour Octavio Toscano, maintenant, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Non, c'est hors de question. J'ai peur de la laisser seule. Elle a décidé de ne plus te voir. Tu veux faire quoi? Tu ne peux pas la forcer. On dirait bien qu'on a tout pour le mariage maintenant, non? Pour le mariage, oui, mais qu'en est-il d'après? Quoi? Tu as pensé où on va habiter? Oh, pardonne-moi, ma chérie, t'as raison. C'est juste qu'entre la campagne, les problèmes avec Octavio et mes parents, j'ai eu la tête ailleurs. Ah, je sais. T'inquiète pas, je vais demander à Juana si on peut rester au ranch le temps de trouver quelque chose. Elle t'aime beaucoup, elle dira sûrement oui. Merci pour ton soutien, chérie. Heureusement que t'es là. C'est vraiment plus difficile que je pensais. Je sais. C'est pour ça que je t'ai demandé de passer la nuit ici, pour qu'on puisse oublier tout ça. Et tout le monde. Ouais. Ça ne dépend pas que de ça. C'est une situation compliquée. Écoute. Non, c'est hors de question. Tu sais comment je suis. Oui. Excusez-moi. Merci. Voilà un peu plus de café. Merci. Merci, Marie. Merci, Marie. De rien, madame. C'est gentil. Tout était délicieux. Ce saumon m'a rappelé l'époque où mon père et moi allions en manger en cachette dans son restaurant préféré. Ici, on va bien prendre soin de toi et tu mangeras toujours très bien. Bien sûr. Au fait, Fer, merci pour le fromage que tu as rapporté. Je suis totalement fan. Qu'est-ce qui ne va pas avec les fromages d'El Primor? Rien du tout, ils sont très bons, mais ceux du ranch Nouveau Jour sont artisanaux et ils ont un ingrédient très, très spécial. Oui. Ah, eh bien, moi aussi, je vais aller acheter cet ingrédient si spécial. Ah, Octavio. Ce café est très bon. On ne peut pas tout acheter dans la vie. Parce que seule ma partenaire a cet ingrédient si spécial. Et ça s'appelle le bonheur authentique. Bien sûr, bien sûr. Et en parlant de bonheur, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui. Pas vrai? Oh non! Ne me dites pas que vous allez avoir un enfant, vous vous êtes décidée? Non. Pas encore, hein, ma chérie. Non. Écoutez, c'est quelque chose que Brenda nous a proposé. En clair, elle veut vendre les fromages du Nouveau Jour dans les magasins méga super. Et si on y arrive bien, on pourra te payer ce qu'on te doit plus tôt que prévu. Je suis vraiment ravie pour vous, parce que c'est tellement important que vous fassiez des choses ensemble. N'est-ce pas, Octavio? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Tu es très silencieux. Non, c'est juste que quand on fait plein de choses, on ne fait rien au final. Tu travailles au ranch, à l'usine, dans ton entreprise de vêtements, et maintenant tu vas vendre du lait et du fromage frais dans les supermarchés méga super. Je ne sais pas comment Au début, on ne mettra des stocks que dans quelques magasins. Et puis, travailler dur ne me fait pas peur. J'ai grandi avec toi comme exemple et tu as accompli tant de choses, toujours avec honnêteté et avec des efforts. Oui, moi aussi, je peux réussir. Bien sûr. Et Juana et moi allons nous occuper du commerce du fromage.
Raphaël nous aidera seulement quand on en aura besoin. Écoute, comme le dit maman, c'est important qu'on fasse les choses ensemble. Je suis sûr que ma femme s'en sortira très bien. César, je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. Oui, c'était très clair pour moi. Mais on recherche toujours des preuves contre Octavio. Et on ne peut pas arrêter tout alors que les élections arrivent bientôt. Non, je sais. Mais après ce qui s'est passé hier, tous mes plans ont changé. Je sais que c'était une erreur de t'avouer ce que je ressentais. Mais mettons ça de côté, passons à autre chose. Je ne dormirai pas tant que je n'aurai pas obtenu justice pour ma femme et ma fille. Et tu es libre de faire ce que tu veux, César. Mais tu prends ton parti et je prends le mien. Hein? Je ne te laisserai jamais seule. Pour ça, il faudrait déjà que je sois d'accord avec toi. Et ce n'est pas le cas. Et une fois pour toutes, je te le dis, je vais en finir avec Octavio. Par moi-même. Et ça fait 5. Entrez. On va à l'événement ? Oui, j'arrive. Je range ces photos qui, selon moi, sont dignes d'un professionnel. Oh, je sais pas comment j'ai réussi à me lever parce que j'ai trop mal à l'estomac avec tout ce que j'ai mangé hier. Pourquoi tu m'as laissé manger comme ça, mauvais ami ? Quoi, c'est moi que tu accuses ? Je ne t'ai pas vu te plaindre envers César à propos de ces énormes repas qu'il te prépare. Hein. Tu es très sélective quand tu te plains, Angela. Allez, on y va. Et ne m'accuse pas comme ça pour tes maux d'estomac. Hein. C'était toi ! J'ai été très dure avec César, n'est-ce pas ? Mais je devais lui faire comprendre. Tu lui as au moins dit qu'il embrassait bien. Juana, je parle sérieusement. Sérieusement, alors ? Je pense que tu as eu tort de le rejeter comme ça, parce qu'au moins, lui, il pouvait te protéger. Non, non, non. Il a franchi la limite. Et je sais que j'ai en partie menti à Raphaël pour qu'on se marie. Mais j'ai besoin que César respecte notre mariage. Eh oui, oui, Fernanda, mais... sans l'aide de César, ce serait bien plus difficile de trouver des preuves. Et je te rappelle que la période des élections arrive bientôt. On verra bien, on verra. Oui, on verra bien. Mais tant que ce n'est pas le cas, oublie l'idée de mener une vie normale. Tu aurais vu hier quand... quand Laetitia a cru que... Raphaël et moi allions avoir un enfant. J'aimerais avoir une vie normale, tu sais. Et moi, j'adorerais être tata, tu sais. Mais rien de tout ça ne sera possible tant qu'on n'aura pas démasqué ton beau-père. C'est vraiment un porc. Oh, n'offense pas mes petits animaux, hein. Non, César a raison. On doit se dépêcher. On doit trouver des preuves rapidement. Parce que sinon, cet enfoiré va bientôt s'en prendre à toi. Oui, avec ce qui s'est passé à la piscine, c'est vraiment clair pour moi qu'il va chercher à me conquérir. De gré ou de force. Ah. C'était stupide de dire à Fernanda que je l'aimais, mais je ne pouvais plus me taire. Ce qui était stupide, c'est que tu lui as dit après l'avoir embrassée. Je sais. Je n'ai jamais eu l'intention de l'offenser. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne veut plus que je l'aide avec Octavio. Oui, je vais à la banque. Je ne sais pas quand je reviendrai. Mais je vous laisse continuer à vous dire vos petits secrets. Si j'avais des secrets avec César, je l'emmènerais dans ma chambre où je dors seule. Tu crois quoi ? Oublie Louis. Pour l'instant, l'important, c'est de convaincre Fernanda de continuer à travailler avec toi. Parce que même si elle le minimise, elle est en danger près d'Octavio. Je pourrais trouver les preuves d'abord, pour qu'elle quitte la Hacienda au plus vite. Et où d'autre vas-tu chercher ? Tu ne peux entrer ni à El Primor, ni dans l'usine. Je doute qu'Octavio les garde là-bas. Mais il y a la ferme qui appartenait à Germaine. Là-bas, je pense que je peux entrer tout seul. Voici une approximation des fromages qu'on pourrait produire par mois. Bon, il y a aussi un taux d'erreur de production à prendre en compte. Regardez-la, elle n'est pas si stupide que ça, même si elle pourrait confondre le prix des pommes de terre et du fromage. Bon, je vais organiser une réunion avec le responsable des achats pour toi afin de finaliser les prix et les quantités. Et pour toi, quel sera ton bénéfice ? Parce qu'évidemment, on va te rembourser pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, même si ça devait être avec de l'argent liquide, tu aurais ta commission. Mon profit sera d'offrir à mes magasins un produit exclusif. Et puis, je prévois d'organiser un rayon appelé « Produits Nouveaux Jours » avec des chariots ou des supports spéciaux.
Oh, on devrait payer tout ça par nous-mêmes. Oui. Mais si tu dois t'en charger, que penses-tu de partager la moitié de tous les bénéfices? Tu veux former un partenariat? Ce serait plus juste, non? Soit on réussit tous, soit on coule tous. Ok. Très bien, mes partenaires. Allez, viens là. Partenaire. Bonjour. Bonjour, Gabriel. Rosalina. Qu'est-ce qu'il y a? Gabriel, emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Ça va pas? Je me sens vraiment mal. Attends. Je ne peux plus. Erasmo. Erasmo. Où est Louis? Rosalina, ça va pas? Où est Louis? À la banque, ça va prendre du temps. Je l'emmène à l'hôpital. Oui, oui. Préviens Louis. Oui, je vais le prévenir. Et Myriam, s'il te plaît, on revient. Rosalina, respire, respire, tu vas t'en sortir. Respire, tu vas t'en sortir. Mon Dieu, Erasmo. Allez, allez, allez. Fais attention, Gabriel. Où Gabriel va-t-il si vite? Je sais pas si je devrais en parler. Bien sûr que si, dis-moi. Il a emmené Rosalina à l'hôpital. On pourrait commencer par les 6 succursales méga super de l'État. Alors, je parle avec Raphaël qui s'occupe de tous les papiers de l'entreprise et on peut y aller. Oh, arrête avec ces chiffres. Je vais emmener Brenda avec moi pour lui montrer le village. Par contre, il faudra prendre ta voiture parce que Gabriel a pris le camion. Pour moi, pas de souci si c'est toi qui conduis. D'accord. Je dois d'abord aller aux toilettes. Allez, vas-y. Ah, tu viens avec nous? Non. Je vais profiter du fait qu'Octavio est allé à un événement de campagne pour aller à l'usine. Je ne veux pas perdre plus de temps. Pourquoi tu n'as pas répondu aux appels, Louis? Il est interdit d'utiliser un téléphone portable dans la banque. Bref, je suis sorti et là, j'ai vu ton message. Donc je suis revenu pour le van. Bon, dépêche-toi, parce que Gabriel n'a pas appelé et ça pourrait être grave. Oui, j'y vais, ma belle. Allez. Myriam, Myriam. Oui, cours. Je m'en vais. Mais où sont-ils? Votre bébé se porte très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suis rassurée. Oui. Docteur, le mari de la patiente veut entrer. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Enchanté. J'étais en train de dire à votre femme que votre bébé va très bien, mais... Désolé, docteur. Je n'ai pas vu l'infirmière et je voulais savoir comment allaient Rosalina et le bébé. Je suis le père. C'est juste que nous deux, on est comme... une famille, c'est pourquoi j'ai voulu venir aussi. Oh, il n'y a aucun problème à ce que Gabriel soit là. On peut dire qu'il est de la famille. Ah, d'accord. Eh bien, ici, nous sommes inclusifs ici, alors il n'y a pas de problème. Et regardez, votre bébé se développe vraiment très bien. Si c'est un garçon, il s'appellera Francesco. Tu veux qu'on se moque de lui? Oh non, c'est mieux que ce soit une fille et qu'elle s'appelle Louisa, en ton honneur, hein? Ah oui, c'est vrai. Tu vois? Mais non, on laisse la mère décider. Je préfère. Oui, vous trouverez un accord avec la mère de votre fils plus tard. On dirait que votre bébé ne manquera pas d'amour paternel, hein? Eh bien, puisque vous êtes tous les deux là, je voudrais dire quelque chose.
Le bébé se porte vraiment très bien. Hein? Mais on a trouvé quelque chose dans les examens de Rosalina. Hé, hey, toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Hé! Hey, attends! Viens ici! Attends! Inutile de courir! Il nous échappe! Allez! Mais courez plus vite! Courez, bon sang! Il nous échappe! Il faut passer par l'entrée! Vous allez où? Par ici! Tu peux me dire ce que tu fais ici? Je travaille. Tu travailles? De quoi tu parles? Je suis venue te laisser le budget que tu as demandé hier. Mais je ne t'ai même pas tout expliqué. Oui, je sais bien, Octavio, mais tu es très occupé. J'ai déjà parlé avec Raphaël et avec les responsables de la nourriture. Et j'ai préparé ça pour répondre à tes souhaits. Je l'ai aussi envoyé par courriel à toi et à Raphaël. Ça n'explique pas ce que tu faisais dans mon fauteuil. Octavio, je n'ai pas pu résister. À quoi? De voir ce que ça fait d'être à ta place. Je suis intriguée de savoir comment tu penses, pourquoi tu agis comme tu le fais, et je voulais savoir ce qu'on ressent quand on a autant de pouvoir. Et que la vie de tant de personnes dépend de nous. Le pouvoir, Fernanda, est toujours très séduisant. Peu de gens peuvent lui résister. Et je vois que tu l'aimes autant que moi. C'est pour ça que tu as dit à Raphaël que tu me placerais au-dessus de lui dans ton entreprise? Ah, tiens. Il te l'a dit. Oui. Et puisqu'on est entre nous, Octavio, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches, hein? À me faire choisir entre toi et Raphaël? Et qui choisirais-tu ?